Collègues magistrats, greffiers et membres du personnel de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de ma juridiction et à mon nom personnel, m'acquitter d'un devoir. C'est lui de vous féliciter pour votre brillante nomination à la tête de la chancellerie après plus de 18 ans qu'un magistrat occupait cette fonction dans notre pays. Qu'il me soit permis également de vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue et un agréable séjour avec nous. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le changement politique amorcé le 5 septembre 2021 a engendré des réformes institutionnelles profondes ainsi qu'un processus de refondation totale de l'État. Les nouvelles autorités qui ont fait la justice, la boussole qui guide désormais l'action de tous les citoyens, ont fait preuve d'une réelle et inébranlable volonté politique en créant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF suivant les ordonnances numéro 007 et 008, signées respectivement les 2 et 6 décembre 2021. Mesdames et messieurs, installée le 21 janvier 2022, dans les conditions que nous savons tous, la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, dans un élan patriotique, sans attendre les moyens de sa politique, s'est rapidement mise au travail, comme l'illustre le registre du parquet RP qui est de nos jours à 66 dossiers repartis entre les chambres d'instruction et de jugement. Or, comme vous le savez, Excellence, Monsieur le Ministre, le service public de la justice demande de gros moyens pour être efficace. Monsieur le Ministre, après 7 mois de travail acharné, la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, en tant que juridiction stratégique, est confrontée à de réelles difficultés pour son meilleur fonctionnement, dont entre autres le manque de budget de fonctionnement, le non-réajustement du traitement salarial de ses membres, le manque de formation continue, l'inexistence d'une bibliothèque bien fournie, le manque de logements administratifs et d'effectifs de services pour tous ses membres, le faible niveau de la sécurité du personnel, le manque de services techniques d'appui ainsi que de groupes électrogènes. Excellence, Monsieur le Ministre, face à ce chapelet de difficultés, en tant que magistrat de profession, le personnel de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF me charge de vous dire d'être leur avocat auprès du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la recherche des voies et moyens pouvant leur permettre d'être performants dans l'accomplissement de leur autre mission, celle de dire le droit. Pour finir, nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous donner à vous et à votre équipe l'intelligence, la sagesse et la force nécessaires pour relever ces nombreux défis qui se posent à notre justice depuis toujours. Vive une justice efficace, vive une justice indépendante. Je vous remercie.